Bonjour les enfants, bonjour Madame Grenouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. Je vous présente les 8 nouveaux sons que nous allons travailler aujourd'hui. On commence par le son ch. Il se fait avec le c et le h, comme pour faire chute. Chut, chut. Là, on a le E. Le E, c'est un E avec un accent. L'accent, c'est le petit trait qu'on voit ici. Et c'est comme le son de école. Alors, on va mettre notre main comme pour faire le petit accent. Et comme école. Elle est loin, l'école. École. Et. Là, on a encore un E. Avec un autre accent, il va de l'autre côté. Et de ce sens-là, ça fait le son « est ». Donc, on va mettre notre main en arrière. « Est » comme « tête »,« casquette »,« est ». Là, on a deux lettres. On a le « o » et le « u ». Quand on met ces deux lettres, le « o » et le « u », ça fait le son « ou ». On le fait avec un « o »« u », comme ça. Ou, comme doux, mouton, bougie, ça c'est le son ou. On a aussi le son wa, le o et le i quand ils sont ensemble, comme ça, ça fait wa. Wa, wa, on ouvre bien sa bouche, wa, comme dans... Les doigts, comme trois, c'est le son « wa ». Là, on retrouve notre « o » qu'on met avec un « n ». Ça fait le son « n ». On met notre « o » à côté du nez. « N », « n », comme dans « bonbon »,« tonton », « un rond », c'est le son « Là, on a le son en, en. Donc le son en, on met comme le a près du nez. En, en, en. Comme dans, grand, c'est le son en. Et pour finir, on a le son un. Là, on voit qu'on a mis un i et un n. On va faire pareil. Un. Un. Comme le un qu'on trouve dans un, pain, singe, grain. C'est le son un. On va les refaire une fois. Le c et le h, ça fait ch. Comme dans chute. Le e avec l'accent aigu, ça fait « e » comme « école ». Le « e » avec l'accent grave, ça fait « e » comme « tête »,« casquette ». Le « o » et le « u », ça fait « ou ». « Ou » comme « loup »,« doux ». Le « o » et le « i », ça fait « wa », « wa », « wa », comme « doigt », « trois ». Le « o » et le « n », ça fait « on », « on », « on », « bonbon », « tonton ». Le « a » et le « n », ça fait « en », « en », « en », comme « dent » ou « gant ». Le I et le N, ça fait un. 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 Comme pain ou grain. Voilà, je vous laisse travailler ces nouveaux sons. Entraînez-vous bien à la maison et bientôt on écrira quelques mots. À bientôt.